The President, please be seated. The chamber is now back in session. Before the break, we noticed the observation by Judge Cartwright for intention to put some documents before the chamber. You may now proceed with that document. Thank you, President. Just to remind the parties that in document E141, documents or other sources referred to in the footnotes to each paragraph read out are deemed to be put before the chamber. Just to confirm, three revolutionary flag magazines to which I referred during questioning earlier are therefore considered placed before the chamber. They are D243/2.1.1, referred to in paragraph 21 of the closing order, Revolutionary Flag Magazine D243/2.1.9, referred to in paragraph 24 of the closing order, and Revolutionary Flag Magazine D243/2.1.12, referred to in paragraph 23 of the closing order. And in addition, I wish to place before the chamber the statute of the Communist Party of Kampuchea, D366/7.1.187. Thank you, President. Merci, Monsieur le Président. The President, thank you, Judge Cartwright. Le Président, je vous remercie, Madame la Juge Cartwright. I'd like to inquire the bench of the judges of the bench if you have any questions to put to the accused. À l'accusé. Judge Lavigne, je vous en prie. Oui, merci, Monsieur le Président. Thank you very much, Monsieur le Président. J'ai quelques questions pour clarifier. Tout d'abord, j'ai une question concernant le vocabulaire. À plusieurs reprises, vous avez. Le président intervient. Judge Lavergne, could you please. Monsieur le juge Lavergne. Stopped. There is no sound interpretation for English channel. Qu'il n'y ait pas d'interprétation vers l'anglais. President, Judge Lavigne, could you please start your question again, since there was no English translation there. Merci. Thank you. Monsieur Lynchia, dans vos déclarations, vous avez à plusieurs reprises fait. There is still no English translation. Court officer, could you please resolve this technical issue? Est-ce que si je change de micro, on entend mieux? Oui.
Est-ce qu'on peut améliorer la qualité de la transmission depuis la cabine anglaise ou est-ce qu'il y a un problème plus substantiel? Is the English channel coming through? The Judge Lavan is asking if there is a problem only in the English booth or if it is throughout the courtroom. Can you hear the English channel now? Thank you. Mr. President, the problem seems to be solved. Judge Lavange, you may now restart again. Bien, on va faire un nouvel essai. Est-ce que c'est concluant? Est-ce que la qualité du son est meilleure? Let us try once again. Is it coming through now? Monsieur Nuncia, Mr. Nuncia, à plusieurs reprises dans vos déclarations, on several occasions, vous avez in the statements you appelé have made, une ville du nom de Pré-Nokor. You referred to a town vous avez parlé de la libération de Pré-Nokor. You talked about the liberation of Pré-Nokor. Est-ce que vous pouvez nous dire si par ce nom vous entendiez vous référer à la ville qui est actuellement connue sous le nom d'Ho Chi Minh, ville ex-Saigon. Ho Chi Minh City, formerly Saigon. Response. Your Honor, previously it was called Pré-Nokor, which was part of the Cambodian territory. Later on, in the Vietnamese name, it was called Saigon, and subsequently it was called Ho Chi Minh. Alors, Monsieur Nuncia, est-ce que c'est un hasard si vous appelez cette ville Pré-Nokor et si vous ne l'avez pas appelée Ho Chi Minh Ville, ou est-ce que ça dénote une volonté particulière chez vous? Response, I did not have any intention. Non, je n'avais aucune intention particulière. That was what I called. I used both Pré-Nokor or Ho Chi Minh. Je dis Pré-Nokor aussi actually bien used it according to the error it was used. Previously it was called Pré-Nokor, later on Saigon, and now it is known as Ho Chi Minh City. Maintenant, aujourd'hui, elle s'appelle Ho Chi Minh Ville. I did not have any hidden agenda in that d'intention cachée, because the three names refer to the same location of the city. Endroit, à la même ville. Au début de votre interrogatoire, Monsieur Nuncia, vous avez déclaré que vous aviez eu l'idée de vous joindre au mouvement de résistance parce que dans votre jeunesse, because vous aviez connu le régime colonial français et que vous aviez vu comment les Français maltraitaient les Cambodgiens en les arrêtant, en les frappant et en les jetant en prison. Vous avez déclaré aussi avoir été le témoin de la façon dont les riches se comportaient vis-à-vis des plus faibles en les traitant en esclaves et en leur donnant des coups. Vous avez également précisé que c'était à la vue de ces injustices qu'en tant que jeune homme, vous aviez éprouvé de la sympathie et de la compassion pour ces gens qui étaient maltraités et que vous avez éprouvé le désir de combattre l'oppression. Alors, est-ce que vous pouvez nous confirmer que cela correspond bien à vos déclarations?
Response. Let me clarify. At that time, I felt the sympathy, but I did not have the idea of joining the struggle in order to eliminate those people. I was still very young at the time. I was about 13 or 14 years old. However, I did have the feeling of sympathy and pityness for those persons who were mistreated. Only at a later stage, when I went to study in Thailand, I read the magazines of the Communist Party of Thailand about the classes and the oppressions. Then I became better aware of the situation. So I did not join the struggle when I was young. Only later on, when I know more about the situation and I analyze the situation, then I did not think of my own interest. I think of the people's interest. J'ai pensé à l'intérêt des gens. Thank you. Merci. Monsieur Nunchia, quand vous utilisez le mot compassion, est-ce qu'on doit comprendre qu'il a également pour vous une signification d'ordre religieux? Est-ce que cela a une référence avec éventuellement la religion bouddhiste? Response, that is correct. Oui, c'est exact. It is also related to the Buddhist religion, avec la religion bouddhique, which states that do not use the authority. We need to feel compassion, mais qu'il faut faire preuve de compassion for the people, pour les gens. And I studied that well. I hate the compassion for the people as an individual, not from the point of view of a revolutionist, because I did not yet join the revolution at the time. Monsieur Nunchia, vous avez également déclaré ceci: les Cambodgiens sont bouddhistes, même s'ils se sont joints au Parti communiste, ils conservaient un respect pour le bouddhisme et les principes. Alors, j'aimerais savoir de quels principes vous parlez. Est-ce que parmi ces principes, il y a un principe qui consiste à rejeter toute forme de violence ou un principe qui consiste à respecter la vie? Mon point de vue personnel est le suivant. The revolution is based on the notions of materialism, as in Buddhism. The idea based on materialism is also used. Et la notion de matérialisme est aussi présente dans le bouddhisme. So, in the revolution, the notion of dialectical materialism is similar to that in the Buddhist religion. That is, people are educated to feel compassion for one another, to help one another. Les uns pour les autres, s'aider les uns les autres. However, in revolution, in case of necessity, when
we are invited, then we shall resist. If we are confronted with armed, then we should respond accordingly. Even in religion, I also noticed this approach. For example, in the conflict of the war on the land and the water, they also used arms. Though I could not recollect well. So in certain instances, they are the same, but in other occasions, the Buddhist religion is more on the notion of patience. But for the revolution, we restrain from exercising the power of the authority to be womanizers or heavy drinkers or relying much on money. In Buddhism, the notion is quite similar, that is, try to restrain from exercising power, womanizing or heavy drinking or gambling. So the two approaches could coexist based on my personal view. C'est mon point de vue personnel. Donc, selon vous, Monsieur Nunchia, un révolutionnaire du Parti communiste du Kampuchea peut parfaitement intégrer les principes du bouddhisme, et est-ce qu'il peut avoir la même sensation de compassion vis-à-vis de toute victime, quand elle est maltraitée, notamment des victimes de toute arrestation arbitraire, de toute détention arbitraire, toute victime qui est réduite à l'état d'esclavage, toute victime qui subit une forme de violence dès lors qu'elle est injuste? Response: it is not identical in every aspect. Ce n'est pas pareil ou identique sur tous ces aspects. It is my view that the revolution means to use the labor, faire la révolution, that is physical labor, utiliser as well as the mental labor to build the country, pour construire le to pays, make it progressive. Pour faire progresser le pays. The religion, on the other hand, relies on compassion and sympathy, as I stated earlier. Comme je l'ai déjà dit. If there is no use of labor in the revolution in order to build the country and the forces, pour construire le pays, it would not get the result. And also, similarly, voulu. In the Buddhism, de la même manière, dans le Buddhisme, there is also a practice to a certain extent. For example, mediation, par exemple, is also a form of self-rebuilding, qui est une forme aussi d'autoconstruction, so that our mind is cleaned and pure. Et purifié, on the revolution, et nettoyé. We have to get rid of self-ego. Nous devons nous libérer de notre ego. In a simple term, it means, pour le dire simplement, self-ego. Il faut renoncer au soi. So there is always a self-ego, and if there is a self-ego, il y a toujours un soi, il y a toujours un ego. Then it means there would be individualism. Qui nous ramène, and if there is individualism, it means there would be privatism. Et s'il y a individualisme, il y a aussi attachement au privé. And if there is privatism, there would privé. Rise the conflicts. Et d'où naissent les conflits. Therefore, on the par conséquent, Buddhism, they try to get rid of selfishness. De s'affranchir de l'égoïsme.
So similar approach is used. However, in other instances, they are not similar. Pour la révolution, mais dans d'autres cas, ce n'est pas tout à fait la même chose. Where they are the same, then they can be used exchangeably. On peut, and for those aspects we are, which are not the same, then we put it aside. Il faut les mettre de côté. So the theories, both in the revolution and in Buddhism, are sometimes the same and sometimes different. Théories qui sont parfois, for the qui est daily la même, living qui est in Buddhism, et pour la vie quotidienne, we rely on our intelligence, on our meditation, sur intelligence, sur la méditation, and on the revolution, et du côté de la révolution, we try to work hard. On essaie de travailler dur. And we try to focus on our work. That is also a form of meditation. C'est aussi une forme de méditation. And when we use our intelligence to resolve the problems, we are in a similar approach. This is my personal understanding. Voilà comment je comprends les choses. Alors, une dernière question sur ce sujet. En ce qui concerne le principe du respect de la vie. On the question of respect, est-ce que ce principe, l'approche est la même dans la religion ou dans la révolution communiste? Communisme only eliminate those people who destroy the country, who could not be educated. I give you an example. Je vous en donne un exemple. The bad people, les mauvais éléments, would be reminded, criticized, étaient critiqués, rappelés, self-criticized, faisaient leur autocritique, once, twice, une fois, thrice, deux fois, trois fois, and then they would have to make their text on a revolutionary life view, and if they can be reformed, la révolution, s'ils pouvaient être réformés, to build the country, that would be fine. But if they cannot be reformed, refashioned, then they would be sacked from the party. Alors, ils étaient, the party had no authority to smash anyone. But the party has the authority to demote or to sack party members, and they will be sent to the base authority to make decisions, pour que celle-ci prenne une or to the court to decide. Ou, devant un tribunal pour qu'il décide. As I repeatedly say, the Communist Party of Cambodia is not 100% pure. N'était pas à 100% pure. Because our party is not established in heaven, it was formed in a corrupted society. Therefore, the establishment of a party in such a situation cannot be that 100% pure. Some people can be re-educated while others could not. So for those who could be re-educated, they became good people. And those who could not would be sacked and removed from the party and sent to the local authority to engage in labor. That is all, Your Honor. And the allegation that people were killed or genocide was committed is not real. There are only two types of war. That is the war of aggression and the war to defend the country. And who conducted the war of aggression and who conducted the war of defending the country? Foreigners at that time were the Vietnamese and the Americans who conducted the war of aggression against Cambodia. And it was the Cambodian people who engaged in the war to defend their country, their nation. But, of course, in each war, there would be various other aspects. There would be propaganda war, for example, sabotage, and various other forms of subcategories of war. De la guerre.
with the purpose to intimidate the opponent or to weaken the ability of the opponent. D'affaiblir l'opposant. Those who engage in the war made the ceux qui mènent propaganda la guerre, that even just a nut and a bolt could be spotted from the plane above. That is a type of a psychological war. Une and if three or four people et si trois ou were hiding under a tree, se cachaient the sous heat un arme, from the body could be spotted by the reconnaissance plane by America from above. La chaleur de leur corps était repérable. This is a type of war too. It's a psychological war. Américain. Ça, c'est de la guerre psychologique. And when we talk about the war of genocide or the mass killing, de crime de masse, of course, it's just a type of war, but there are only two main categories of war. Mais y a that is a war of aggression and a war of defending someone's country. Then we need to find out who actually participates in each category of this war. Then you would find the real cause of war. So this cause does not waste its time. Sinon, it's easier to find the reasons of those who engage in these two types of war. Are they all Cambodians? Type de guerre. S'agit-il de Cambodia is a small country with a limited number of population, with limited resources, and Cambodian people are poor. Réduites, et de America sont dropped more than 220 days of bombs, destroying every aspect of Cambodian society. Tous les aspects de la société. The Vietnamese invaded Cambodia. Les Vietnamiens ont envahi le Cambodge. 500,000 of them. 500 000 soldats. Monsieur Nunchia, je vais vous interrompre parce que je pense qu'il serait important que vous puissiez répondre à la question qui est posée et uniquement à la question qui est posée. Nous reviendrons plus tard sur ce que vous évoquez, mais j'aimerais que vous limitiez vos réponses aux questions qui vous sont effectivement posées. Alors, la question qui vous était posée, Monsieur Nunchia, j'aimerais bien que vous me laissiez parler. La question qui vous était posée concernait, et vous avez évoqué vous-même, l'idée qu'il fallait éliminer les mauvais éléments. Il n'est pas question de guerre, il n'est pas question de l'élimination de ces mauvais éléments. J'aimerais savoir quand cette ligne politique de l'élimination des mauvais éléments a été décidée, ou en tous les cas, quand vous avez été convaincu qu'il fallait pratiquer une telle ligne politique. Est-ce que c'est dès l'origine, dès votre présence en Thaïlande, dès votre adhésion au Parti communiste thaïlandais, ou est-ce que cette idée, cette ligne politique est venue par la suite petit à petit? Et je vous demanderai de répondre uniquement à cette question. Réponse. The revolution is to build the forces, not to smash the forces. Rassembler des forces et non pas à éliminer des forces. Except in the circumstances, sauf where those people after re-education lorsque des gens and ont été rebuilding rééduqués on several occasions et réformés à plusieurs reprises, re-educated mais qu'ils or n'ont transformed pas pu être transformés. And those were the vicious people. Il s'agissait là cruel people de who gens could not cruels, be re-educated. Féroces, for example, qu'il était impossible de rééduquer. When it comes to je vais vous donner un exemple spying or calling the B-52 bombers to bombard the villages and kill many villagers. Demande de bombardement for example, in des the villages, west part of Kampong Cham, dans people la partie occidentale de la province de Kampong Cham. Then a Khmer spy
une cérémonie who était was en cours, a network of those group in America. Il y a eu called upon the bomber, des and espions bombs were dropped, qui ont demandé aux Américains village de bombarder ce was village, destroyed, and many ce villages qui a été were killed. Fait, et beaucoup de villageois ont is ainsi that the péri. Right approach? Est-ce que c'est la bonne approche? You can consider, Your Honor. Je vous laisse le soin d'y réfléchir. Bien. Very well. Donc, selon vous, tous les mauvais éléments qui according ont été you, éliminés au moment de la Révolution n'étaient que des espions ou des gens qui étaient impossibles de rééduquer. Or were people who simply could not be re-educated. But the re-education was not conducted only once. Mais la rééducation n'a pas été faite une seule fois. Elle a été effectuée à de nombreuses reprises. Again and again. Les gens étaient rééduqués encore et encore. Because the revolution needs to keep parce que la révolution human resources devait as a big capital. Préserver son capital human resources in order to defend the country, lequel était nécessaire pour protéger le pays. Killing those people. Il était bien préférable de préserver ce capital humain plutôt unless, que de le tuer. Like what I have said, there was exceptional sauf, quand je l'ai dit, case. Dans le cas de certaines exceptions. Alors je répète une dernière fois ma question. Est-ce que vous pouvez me dire quand est-ce que cette ligne politique a when? Été mise en place? Did that political quand est-ce que vous avez été convaincu qu'il fallait mettre en place une telle politique? That you would put into effect est-ce que c'est dès votre adhésion au Parti communiste thaïlandais? Est-ce que c'est à votre retour au Cambodge? Est-ce que c'est ultérieurement? Est-ce que did c'est avant ou après la chute de Phnom Penh? Did it happen before or after the fall of Phnom Penh? Réponse. I did not do anything when I was a member of the Communist je Party rien of fait Thailand. Quand j'étais membre du Parti communiste thaïlandais. I was not in the struggle yet. Parce que je n'étais pas encore dans la lutte. That issue happens when the war in Vietnam cela s'est passé became widespread. Lorsque la guerre when Vietnam began s'est étendue armed struggle et in lorsque 1960. Le Vietnam s'est lancé dans la lutte armée en 1960. It was also the time that the Americans began to drop their c'est bombs. C'est l'époque où les Américains ont commencé à bombarder. In Cambodian soil. Le Cambodge. In 1967. En 1967. So the damage and the anger of the people. Des dégâts ont ainsi été occasionnés. Pushed. Les gens étaient en colère. The birth of this nationalist et c'est ça spirit. Qui a donné naissance how could we à l'esprit remain silent nationaliste. When comment our enemy aurions-nous attacks pu us garder le silence tons of bombs alors que were l'ennemi nous attaquait dropped en from lâchant above. Des tonnes de bombes and when the Vietnamese depuis le ciel invaded Cambodia in et lorsque les Vietnamiens ont envahi le Cambodge on the 7th of January 1979. Le 7 janvier 1979. When people were evacuated lorsque from les gens Prey ont Wing été évacués de la province de Prey Wing to Nhat Luang vers Nhat Luang Vietnamese tanks ran over des chars Cambodians. Vietnamiens lots of Cambodians sont passés sur le corps d'un grand nombre de Cambodgiens. The plane bombardment was one thing. Les bombardements aériens, c'était but une for chose. The Vietnamese, they even came into mais pour ce qui est des Vietnamiens, the forest to continue killing those ils sont même venus dans la forêt pour continuer de tuer ceux qui menaient la lutte. Dead bodies, swollen dead bodies of women were seen. On pouvait voir
And the cause was that the Vietnamese troops went into the forest. Deep into the forest. Et les Vietnamiens se sont avancés profondément dans la forêt et continuaient de tuer les gens. Tandis que les Américains se contentaient de bombarder depuis le ciel sans aller jusque-là. Monsieur Nuncia, ce matin vous avez expliqué que pendant un certain temps, le mouvement communiste cambodgien n'était pas arrivé au stade de la lutte armée révolutionnaire, mais qu'il était un stade de lutte politique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la différence entre la lutte politique et la lutte armée révolutionnaire ? Et je voudrais savoir notamment si dans la lutte politique, il peut y avoir l'emploi d'une certaine forme de violence. Whether or not any form of violence is used. Réponse. As I remember, pour autant que je me souvienne, I did not deny that there was armed struggle. Il y a eu une lutte armée. The overall picture je ne le nie pas. In Cambodia was the political, au Cambodge, economic, dans l'ensemble, cultural and social struggle. Il y a eu une lutte politique, économique, culturelle et sociale. And if necessary, et to be lorsque cela était nécessaire, il fallait combiner and la lutte armée et la lutte with the political struggle politique. As the basic la lutte principle. Politique représentant le principe the armed fondamental, was tandis que la lutte armée to defend the était base menée forces. Uniquement pour défendre les forces de so la I base. Do not deny that there was an je armed ne struggle. Nie pas qu'il y ait eu une lutte armée, mais la lutte armée that we adopted. Ne répondait pas au principe fondamental que nous avions adopté. That we choose as our principle. Nous avons privilégié la lutte politique. We did analysis among the army. Au sein de l'armée, nous avons analysé la situation. In order to nous avons élaboré des plans who would be part of the army. Afin de voir qui and at that time I intégrerait l'armée. What we need to do next after we et à l'époque, je m'interrogeais sur ce qu'il faudrait war. Faire une fois que nous aurions remporté la guerre. What if there were people who would steal je me things demandais or belongings from the people who would rape ce the villages. Qu'il se passerait what s'il y avait encore des voleurs to ou this des issue? Violeurs. Que ferions-nous face à ces problèmes? So armed struggle was very important, but la lutte armée not abandon était certes très importante, struggle. Mais nous ne pouvions pas abandonner la lutte politique. The political struggle was even more important than celle-ci était encore the plus struggle, importante the, that que la lutte armée the people, and the people parce qu'elle était au service du peuple. Were more satisfied for the political struggles than that of the arms lequel conflict or struggle. Préférait la lutte politique à la lutte armée. Monsieur Nuncia, quel lien faites-vous entre la lutte politique et what is the relationship la, that you draw between la vie d'un mouvement politique au sein d'institutions démocratiques qui participent à des élections, qui participent aux institutions. Est-ce que quand vous parlez de lutte politique, vous voulez dire qu'il s'agit d'une lutte au sein des institutions de l'État et d'une lutte démocratique, ou est-ce que c'est quelque chose de différent? Or is this, or are you referring to something entirely different? Réponse. As I listened to your question, I could not grasp. J'ai écouté votre question, mais je n'ai pas pu la saisir entièrement. This political struggle was the basis la lutte
politique for the armed struggle. Représentait le fondement sur lequel venait s'appuyer la lutte armée, laquelle ne jouait qu'un rôle complémentaire. Because the political struggle was to la lutte politique make the people aware avait pour but of nationalism. What if they are not aware of nationalism? D'insuffler so they would le nationalisme be considered, they would be like à la population robbers, because they got the weapons. Car I would like to raise an example. S'il y avait des armes sans nationalisme, les gens n'auraient été que de simples voleurs. Was considered as a nationalist movement. Le Sankum était considéré but comme it was un mouvement nationaliste, foreigners. How could mais we consider il s'appuyait sur des étrangers. Comment donc pourrions-nous considérer que c'était un mouvement nationaliste? En cas de difficulté, when the situation became better, les membres se réfugiaient à l'étranger, et une fois que la situation s'améliorait, ils revenaient au pays. For that reason, the political struggle donc, was the big struggle. La lutte politique and political struggle included many pictures that include demonstrations, importante, riots, protests. Qui passait par des manifestations, des soulèvements. This may also include the associations des protestations, of collective work of helping hands. Il y avait among aussi farmers. Des réseaux d'entraide this entre was paysans. The political struggle. Voilà autant d'éléments de la lutte politique à l'époque. And they kept building into bigger struggle. Et la lutte from n'a fait lower que se développer. Peasants to upper peasants. En commençant par les paysans so de rang inférieur et en passant ensuite aux paysans de rang intermédiaire. The political struggle donc je was le répète, the basis was la the fundament lutte politique était le point de départ. Armed struggle. Le fondement armed sur lequel venait s'appuyer la lutte armée was only the actions. The political struggle was conducted in terms of the mind of the people. La lutte it politique was very important. Était une lutte des esprits, tandis que la lutte armée était une lutte qui se traduisait dans des faits. If we lose, et des actions if we concrètes. In a battle, it is usual for war. But if we lose spiritually, it was that the problem. Et le problème était une défaite spirituelle. Monsieur Nuncia, est-ce que au cours de votre parcours politique dans le mouvement communiste, vous avez entendu parler du concept de la voie parlementaire vers le socialisme? You aware, est-ce que vous avez entendu parler notamment de motion qui avait été adoptée en 1956 après la mort de Staline, and in 1956, qui avait été présentée par Khrouchtchev, selon lequel il n'était pas nécessaire de passer par une insurrection armée, it was said par une guerre civile, an armed insurrection, mais qu'on pouvait éventuellement civil war was not necessary, aboutir au socialisme but that socialism could be par achieved ce qu'il appelait la voie parlementaire, through c'est-à-dire using par the parliamentary path, le jeu des institutions normales, notamment des élections. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez entendu parler et est-ce que is c'est quelque chose que vous aviez envisagé? That you had considered? Response: I never heard of that. Réponse: je n'en ai jamais entendu parler. I only understand the national and democratic revolutions. Je ne connais que and in Cambodia we la révolution démocratique et la révolution nationale, not yet ou plutôt la révolution démocratique nationale, and democratic revolutions. Au Cambodge, so how could we move on to the social revolution? Nous n'avons pas pu réaliser cela. Alors comment aurions-nous pu passer à une révolution communism sociale? Comment aurions-nous pu passer au how many countries communisme in this world dans le monde achieved communism?
None. Combien de pays ont choisi le communisme? Cambodia at that time. Aucun. Only achieved part of the national and le Cambodge a réalisé seulement une partie de la révolution démocratique nationale. And there were more to do in order to achieve that goal. So we did not yet move on to socialism. Ce but n'étant pas encore atteint, il n'était pas possible de passer au socialisme. Monsieur Nuncia, quel était le lien Nuncia, entre le Parti des travailleurs Khmer, Khmer et le groupe politique Prai Chachon? J'espère que je n'écorche pas trop le nom. Mais est-ce que vous pouvez nous dire s'il y avait des liens entre le mouvement politique clandestin auquel vous apparteniez et le mouvement politique du groupe Prai Chachon, qui lui était un mouvement politique ouvert? Political group, which was an open group. Response. They were the same issue. C'était the Prachachon group. Le groupe Prachachon was part of the People's Revolutionary Party. Faisait partie du parti révolutionnaire du peuple Khmer. Some members conducted their activities openly, dont certains membres that included menaient leurs activités ouvertement, the publication of newspapers and en books, publiant des journaux ou des livres. To be candidates for elections. Il y avait des candidats these qui étaient présentés lors des élections. Group of people were not connected to the secret party. Ces gens n'étaient pas associés au parti which clandestin was to build the human resources, dont le but était the Prachachon group was de rassembler davantage a group, de force. But not a party. Le groupe Prachachon était un groupe et non un parti. And as I remember, there were only a small number of people. Et pour autant que je me souvienne, ce groupe ne comportait que peu de membres, parmi lesquels Nuon Sua, Kea Meas, Mong Bo Phan, who was a manager of the newspaper, lequel and who was shot dead. Était rédacteur en these chef du journal did different et lequel activities a été abattu. Ces gens réalisaient by the des activités party. Différentes the de celles was the this is my answer to your question, associé Joanna. Au parti clandestin. Voilà ma réponse, monsieur le juge. Est-ce que ces activités étaient différentes ou bien est-ce qu'elles étaient complémentaires? Different or complementary to or from one another? Those were different réponse, activities. Ces activités étaient différentes. One, there was an open communication part, between the people group with the government. Une communication. And as for the party, the activities were secret. Le groupe Prachachon et le gouvernement, quant au parti, ses activités most of them étaient were communication with the poor peasants. Il s'agissait and surtout farmers. De travail parmi les paysans pauvres et les the paysans. Prachachon group. Le groupe Prachachon was more of the pour sa part front. They contacted, they made communication, conducted communication with the government. Ils étaient en contact avec le gouvernement, publiaient des journaux, des livres. They were like the nationalist movements. C'était comme le mouvement nationaliste. But for this Prachachon group, they had secret communication with the government. Prachachon était en contact while the party, secret avec le gouvernement, while the secret party did not tandis have que any le parti clandestin n'avait aucun contact avec le gouvernement. That is my answer. Voici ma réponse, monsieur le juge. Alors,
En dehors du groupe Pratchachon, il y avait aussi ce qu'on peut appeler des intellectuels progressistes, notamment Uyun, Unin, ainsi que M. Kyo Sampan. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il existait des liens entre le mouvement communiste clandestin cambodgien et ces intellectuels communistes, progressistes? Response. Do you wanna? Réponse. As I remember, Monsieur le juge, Pol Pot called me one time that I did not have to contact these people because I was not knowledgeable about the international relations. Bien les relations internationales. So what I had to do was to concentrate on education. Me concentrer sur l'éducation. That is to build the country, to build the party. Donc construire. This is what Pol Pot told me. C'est ce que Pol Pot m'a dit. I thought to myself. Je me suis dit. I was happy. I was not a progressive intellectual. Que c'était bien, je n'étais pas un intellectuel progressiste. People who came from France and other countries. Comme les autres qui venaient de France ou d'autres pays. This is what Pol Pot told me. Because I do not speak the intellectual language. Je ne parlais pas comme un intellectuel. Donc, je comprends bien que Pol Pot vous ait dit qu'il ne fallait pas que vous, personnellement, vous ayez des contacts avec ces intellectuels. Mais ma question est différente. Je voulais savoir si, à votre connaissance, le mouvement communiste clandestin avait des liens avec ces intellectuels progressistes, que ce soit Pol Pot ou d'autres personnes. Response, no, there was not. But for those non, intellectuals mais, coming from France, pour for les example, qui rentraient de France, may par have exemple, connection non. That included Pol Pot, ils avaient des contacts Yingsari, avec Pol Pot, Yeng Sari, and others who came from France. Et d'autres qui sont rentrés de France. But for me, I did not come from France. Je n'étais pas parmi ceux qui étaient rentrés de Cambodia, France. J'étais ici au Cambodge. Communicated with the peasants. Et j'étais en communication avec les paysans. I did not communicate with intellectuals. Je n'étais pas en contact avec les intellectuels. Est-ce que vous pouvez nous dire quand vous avez vu pour la première fois, quand vous avez fait la connaissance pour la première fois de vos deux co-accusés? You à met savoir, your two fellow co-accused for the very first time. Yeng Sari, when did you meet vous l'avez rencontré pour la première fois? For the very first time. Et quand est-ce que vous avez rencontré pour la première fois Monsieur Kyo Sampan? Did you meet Mr. Kyo Sampan for the very first time? Response. As I remember, it si was when. Bien. Et ça s'est passé it was after the liberation. Après la libération. I rarely met with Kyo Sampan. J'ai rarement rencontré Kyo Sampan. I never met Kyo Sampan. Même jamais. Only occasionally that we ce n'est que parfois met, que nous nous voyons, mais nous ne parlions pas. Et Monsieur Yeng Sari? And Mr. Yeng Sari, when did you meet him? I met with Mr. Yeng Sari because we were in j'ai the central Yeng Sari committee parce together. Que nous étions tous les deux membres du comité central. Rather the standing committee. Le comité permanent sur l'interprète.
C'était dans les années 50, dans les années 60. During the 1950s, during the 1960s. When was the precise moment that you met them? It was after the Geneva Accord. C'était après les accords de Genève. It was when I met à ce moment-là. Je crois qu'il est peut-être temps que nous fassions une pause, Monsieur le Président. I believe that it is perhaps time to take a break. Mr. President, I defer to you. Thank you, Judge Lavergne. Thank you, Mr. Nunchier. Before we take a lunch break, we'd like to know whether Mr. Nunchier, you are able to continue in the afternoon session and for how many hours? The accused. I'm getting weak, Mr. President. But I'll try my best. And I would be happy to answer all the questions today, but I request that the question be asked in short forms. If the questions sound was interrupted, Mr. President, thank you then. So you are confirming Merci that you can continue in the que afternoon vous pouvez session. Poursuivre cet interrogatoire cet après-midi. Councils, just go ahead. Maître Westman, I would like to consult my client and also the medical expert, the doctor who will examine my client during the interval, and maybe we can decide aussi, at the beginning of the next session médecin, on the basis of the information we get from the doctor as well, whether we can continue answering questions. Voir si Monsieur Nucci est effectivement capable de continuer à répondre aux questions. Le président. Before the break, the chamber likes to inform the doctors who are on standby avant que nous at ne this fassions court la pause, je voudrais to conduct medical demander assessments aux médecins to all de accused. Faction de vérifier l'état de santé de tous les accusés, particularly the accused Nunchier and report back to the chamber his health status by 1:30. Avant 13h30. And it is now time for us to take the lunch break. De suspendre l'audience. Is now adjourned for lunch and will be back at 1:30 this afternoon. À 13h30. Detention personnel. Je demande aux personnes du centre de détention to bring the accused back to the holding cells downstairs de ramener les accusés à la cellule de détention temporaire au sous-sol et de les ramener 1:30. Ici pour 13h30. The court is now adjourned. L'audience est suspendue.